Shalom, shalom, bien-aimé de Dieu. Shalom à toi, porteur de grâce. Nous sommes encore réunis en ce matin dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Encore une joie, un privilège de nous retrouver en ce matin pour louer les bontés de notre Dieu, pour louer les merveilles, louer ses hauts faits dans nos vies. Il convient, éternel Dieu, éternel Roi, que nous puissions élever nos voix, les unir à celles des anges et à tous nos saints, pour simplement te rendre grâce, te dire merci pour cette nuit que tu nous as donnée. Merci pour les rêves, merci pour les songes. Merci d'avoir parlé à tout un chacun de nous. Merci de permettre encore que nous puissions nous lever en ce matin. Nous lever dans ta sainte et douce présence. Merci pour le don gratuit de la vie. Merci pour ton souffle de vie que tu renouvelles dans chacune de nos âmes. Merci pour tes merveilles qui se renouvellent encore en ce matin. Merci pour ta main tendue sur nos vies. Merci pour nos yeux. Merci pour nos bouches qui te louent en ce matin. Merci pour nos oreilles, merci pour nos mains, pour nos cœurs, pour nos âmes et pour nos pieds. Merci pour nos familles, merci pour nos enfants et pour nos différentes nations. Éternel Dieu, encore en ce matin, nous te prions et nous te supplions d'agréer encore à nos prières, d'agréer encore à nos soupirs qui se lèvent vers toi, qui se lèvent vers ton trône, Seigneur. Nous te prions encore par Marie, notre mère, que tu puisses encore venir faire du bien à nos âmes, que tu viennes encore faire du bien, par ton Saint-Esprit, faire du bien à nos pensées. Nous te supplions. Voilà pourquoi en ce matin, toi mon frère, toi ma sœur, de là où tu es, je t'invite tout simplement à prendre ce cantique avec moi, si tu le connais, que tu puisses le prendre de tout ton cœur et que ce soit une prière, que ce soit une action de grâce que tu élèves au devant du trône de notre Seigneur. Amen. Et marée, je louerai ton nom qui est si grand, qui est si haut. Dans ma famille, en ce matin, je louerai ton nom. Dans toutes mes activités, je louerai ton nom. Pour nos différentes nations, je louerai ton nom. En particulier, en ce matin où nous avons une pensée pour toutes ces nations en crise, toutes ces nations qui s'entre-déchirent,
là où les peuples ne sont plus en paix, là où les cœurs sont attristés, là où les cœurs sont remplis d'amertume. Éternel Dieu, je veux louer ton nom pour ces pays, pour ces nations, afin que tu puisses jeter un regard de miséricorde sur ces nations, sur les dirigeants de ces différents pays. En ce matin, Seigneur, que tu puisses, par ton Saint-Esprit, aller faire du bien à ces âmes en peine. Et c'est vraiment en unisson avec mes frères et sœurs que nous te prions en ce matin. Un regard de miséricorde sur ces opprimés. Toi l'éternel Dieu de nos vies, toi l'éternel Dieu des armées. Jette encore un regard d'amour sur ces peuples. Jette un regard d'amour sur nos nations. Jette un regard d'amour sur nos familles et sur nos foyers. Nous t'en supplions et nous t'en prions par Marie, notre mère. Je louerai l'Éternel de tout. Merci Seigneur, de tout mon cœur je veux te remercier. Toi l'unique et vrai Dieu. Oui, je veux remercier le Seigneur sans oublier un seul de tes bienfaits pour ma vie. Car c'est toi qui pardonnes toutes nos fautes, c'est toi qui guéris toutes nos maladies, c'est toi qui nous arrache de la tombe, toi qui nous comble de tendresse et de bonté. Oui, je te remercie Seigneur pour la grâce que tu m'accordes en ce matin. Je te remercie pour toutes ces opportunités que tu mettras à ma portée. Je te remercie Seigneur pour la vie de mes frères et la vie que tu donnes à mes sœurs. Je te remercie tout simplement pour tes bénédictions que tu relâches sur chacune de nos vies en ce matin. Je louerai l'Éternel de toute mon âme. Je de Dieu, c'est dans cette atmosphère que je te souhaite de passer une excellente et sainte journée. Que les anges, que les archanges, le neuf cœur des anges vraiment veillent sur toi, te gardent et te protègent. Et que par maman Marie, que tu puisses obtenir toutes les grâces qui réjouissent le cœur de notre Seigneur en ce jour. Et nous avons ainsi prié dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Journée bénie à toi.